In West Africa, agriculture has always played a key role. More than two-thirds of the population works in agriculture today. In just a few decades, the agri-food sectors have become the fundamental cornerstone of the West African economy. The processing of agricultural products is a great accelerator of growth. Making products with added value not only enables producers to export to international markets, it also creates jobs, increases farmers' incomes, and reduces agricultural loss, which in some regions accounts for half of the harvest. Today, a large number of entrepreneurs are involved in the processing of these raw materials. Yet all of these businesses, primarily SMEs, are severely curbed in their development. Access to energy, which is crucial to producing products, is very complex and a major challenge in this part of the world. Je suis le directeur général d'Agro Burkina, spécialisé dans la production des fruits et les légumes, notamment la mangue. Pour obtenir la mangue séchée, il faut utiliser l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est gaz. Et nous utilisons en ce moment les butanes, les gaz butanes. Nous pouvons utiliser de 300 à 400 bouteilles par jour. Et le coût est exorbitant. Ça prend 60 à 65% de nos chiffres d'affaires. Et on n'utilise pas l'électricité parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'électricité. D'abord, il y a le coût qui est exorbitant, qui est trop cher. Et énormément, il y a des coupures. L'énergie trop chère, ça freine le développement de l'entreprise. Et si on pouvait l'avoir à un coût bas ou à un coût moyen, ça va nous permettre d'avancer plus. In order to meet these SMEs' energy needs, an international project has been launched in two pilot countries, Senegal and Burkina Faso. The project named BioStar aims at making SMEs' energy self-sufficient. How? By using bioenergy. Le PME agroalimentaire font de la transformation, mais génère également d'énormes quantités de déchets. Le but de BioStar est de pouvoir utiliser ces déchets comme des sources d'énergie. Et donc BioStar va nous permettre donc de pouvoir développer des technologies qui vont permettre donc à ces PME d'être autonomes du point de vue énergétique. L'équipe de BioStar est venue à l'association Paoline pour comprendre un peu les problèmes qu'on rencontre au niveau de l'organisation de l'énergie, la gestion des déchets. Et c'est par rapport à ce diagnostic qu'ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut utiliser ces déchets pour réduire un peu le coût de l'énergie? Si BioStar arrivait à installer cette énergie, ça pourra diminuer les charges de l'association, autant sur l'énergie, autant sur la gestion des déchets qui coûtent extrêmement cher, et même au niveau de la pollution. It's all about using agri-food residues such as shells, pits, straw to turn into heat, motive power, or electricity. The BioStar project works in five emblematic sectors in the region: mangoes, but also rice, shea, cashew nuts, and peanuts. The BioStar teams have selected 16 pilot companies, 8 in Senegal and 8 in Burkina Faso. Each one will be equipped with technological innovations tailored to its own needs. To achieve this goal, African and European teams are working closely together. Joël Blin, a researcher with CIRAD, is monitoring the project. En fonction des filières, il y avait des défis plus ou moins importants pour développer de nouvelles solutions technologiques. Dans certaines filières, c'était assez simple. Dans d'autres filières, par contre, c'était un peu plus compliqué. Par exemple, la filière qui valorise la coque d'anacarde, qui a eu tout un travail en niveau laboratoire pour développer un procédé de combustion étagée qui permette de faire une combustion complète des coques d'anacarde et ne pas avoir des fumées toxiques. Et ça, on l'a conçu l'équipement ici à Montpellier. Et ces choix de ces solutions techniques n'ont pas été faits que par l'équipe projet. Ces choix ont été validés avec les équipementiers pour savoir si c'était pertinent et fabricable localement, et avec les PME pilotes pour être sûr qu'ils vont bien adhérer et que la solution qu'on va mettre en place, ce n'est pas une solution BioStar, mais c'est aussi la solution qui a été développée aussi grâce à leur aide. Ce qui nous plaît au niveau de BioStar, ils ne sont pas venus nous imposer leurs équipements. Ils sont venus d'abord étudier, diagnostiquer nos difficultés
ils sont repartis. Et là, maintenant, ils ont sélectionné les équipementiers locaux pour travailler avec ces équipementiers. Ça va nous faciliter. Sur place, nous aurons nos équipementiers qui peuvent nous fabriquer, qui peuvent nous conçus les chaudières et les séchoirs pour nous permettre de sécher la mangue à un coût moindre. BioStar met tous les équipements en réseau et nous travaillons en synergie ensemble. Nous échangeons beaucoup et nous faisons de la collaboration. Nous essayons de monter certains projets ensemble. Et ça, c'est le bénéfice que nous gagnons avec BioStar. Avec le prototype en vue, nous pouvons le dupliquer et essayer de redimensionner aux besoins du client pour que ses utilisateurs les utilisent facilement. Parce que si c'est trop moderne, ils ne pourront pas l'utiliser. En tant qu'équipementier, c'est de notre responsabilité de vulgariser cet équipement. Plus on utilise ces anciens équipements, ça veut dire que les chaudières à bois, avec la déforestation va encore plus continuer. Et il faut valoriser ces chaudières à bioénergie. Le parti pris du projet depuis le début, c'est de développer des solutions qui soient durables. Donc qu'ils soient acceptables d'un point de vue économique pour les acteurs qui puissent les financer d'ailleurs, mais aussi qu'il puisse y avoir une fabrication et une maintenance locale, aussi bien au Burkina qu'au Sénégal, d'où l'intérêt de travailler avec les équipementiers locaux. On a eu un événement il y a récemment au Burkina Faso. On a présenté la preuve de concept pour le séchage de mangue à partir de la combustion de coquelin à cardes. On a pu démontrer aux uns et aux autres que la combustion propre de coquelin à cardes, ça fonctionne et qu'on arrive à produire des mangues de bonne qualité, de premier choix. Et donc, il y a eu un vrai engouement de la part de l'ensemble des participants, à la fois des PME pilotes qui se sont tournés vers les équipementiers en disant « Vite, il faut répliquer parce qu'on a besoin de ces équipements-là » et des équipementiers qui étaient intéressés de travailler avec les acteurs de la recherche pour voir comment eux peuvent s'accaparer cette technologie pour rapidement la répliquer localement. Mais donc c'est motivant et encourageant, parce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens et que derrière, ce qu'on aura développé, ça va se diffuser parce que c'est vraiment une solution qui répond aux besoins des acteurs.